Je sais même pas si c'est le nom d'une personne, si c'est une ville, si c'est, je sais rien de Bimbia, ça me parle pas en fait. C'est que je sais pas. Peut-être que c'est grave hein, ce que je dis, hein, mais j'avoue que je suis pas du tout Bimbia, je sais pas ce que c'est. In 2010, in preparing for the first African Reconnection Program, as I said, with my student researchers who volunteered and who were very methodical in their work with me, we came across a place called Bimbia, which I told some of the organizers about, some of the Cameroonian organizers, and I asked them about Bimbia, and they said, "We've never heard of this place, Bimbia." And I said, "Well, according to what I am seeing, according to what I'm understanding, it's not far from a place called Limbé." I had never been to Cameroon. So I asked them, consistently, could they please send someone to ask some questions? Could they talk with people in Cameroon to find out, to ask about this place called Bimbia? And what they did, probably in the span of 2 weeks, is they found someone to go out to Limbé to ask about Bimbia, and then came back to me and told me, yes, in fact, there was a place called Bimbia, but it was very little known. That was a validation for me that the work that I was doing with the students was going to be very helpful for this Africa Reconnection program. And it was also very satisfying for me to know that now diasporans who were DNA connected to Cameroon would have more than a tourist trip. Because for us, tracing roots coming to Africa is a pilgrimage. Docteur Lisa Aubrey Sultan Ibrahim Bombo Joyal, 19th king of the Bamoun dynasty, founded by Chika Prince Sharingan, has decided to give you the traditional name of Yen. Fonctionnalité Yen, Yenpe na Fonchare. Townshend Hamilton, Sultan Ibrahim Bombo Joyal, 19th king of the Bamoun dynasty, founded by the Tiga Prince Sharingan, has given you the traditional name of Ngut. Ngut was also one of the sisters to the founder of the Bamoun dynasty. Si nos enfants nous reviennent, c'est-à-dire que si l'Afrique retrouve toutes ces forces qui ont été volées par la criminalité impérialiste occidentale, c'est toujours quelque chose de très bien. Bah, écoutez, déjà, la première info que je ne savais pas, c'est que beaucoup d'Américains retrouvent leurs origines au Cameroun. Voir que ce processus est en train d'aboutir aujourd'hui signifie tout simplement qu'il y a un effort de rétablir ce que Marcus Garvey a appelé l'unité du peuple noir, partout où il se trouve. C'est nécessaire pour eux,
c'est nécessaire aussi pour nous de retrouver, hein, de nous retrouver avec nos gens qui étaient partis avant. Il y a un proverbe chez moi qui dit que Baking apim la bobora dasula. Si je vais traduire, ça signifie simplement que la guêpe tire sa puissance de son guêpier. Une guêpe qui n'a pas de guêpier n'a pas de puissance. Alors c'est dire que ces Afro-Américains, aussi longtemps qu'ils n'auront pas, qu'ils ne seront pas reconnectés avec leur guêpier, ils seront fragilisés. Donc je pense que l'Afrique devrait embrasser ça, en fait. Parce que ce n'est pas l'Afrique qui va chercher les Américains, qui disent « revenez à la maison ». C'est les Américains qui sont en train de faire le comeback dans le continent. Et à partir de là, je pense que c'est quelque chose qui est très important. The story they told me about after they got to America were just horrible and horrific. And they used to tell me these things, and I could never understand why people could be so evil and so mean. But my grandmother used to always tell me, hate is not what you need right now, and you don't hate people. You have to forgive them. You have to forgive them so that you can move on. If you hold that inside, it will destroy you. Cries out, my God, where am I?
we say Ashe. And our ancestors who crossed the ocean, who, as John Henry Clark says, if we emptied the Atlantic Ocean, we would see the bodies of enslaved people on the ground, moving from Africa to all parts of the USA, the Caribbean, and South America, to those ancestors who refused to be captive and jumped overboard if they needed to, who cut the throats of the captains and floated around even though they did not know how to navigate. They knew that God would take them home. To those ancestors, we say Ashe. And to those ancestors who landed in America, who took all the skills about herbs and medicinal medicine and about agriculture and use them to, in fact, enrich America, build America into the country, to the ignorant country that did not acknowledge their accomplishments. But those ancestors were from sundown to from sunup to sundown and did not despair. They did not despair because they knew that one day they would be able to fly, that there were people who could fly from the tyranny of oppression to the freedom of a holy land. To those ancestors, we say Ashe. And to all of our grandmothers and grandfathers who struggled hard, who were told they couldn't read, were forbidden to write, who were forbidden to marry, who said, no, we will read, we will write, we will journey many times in the night in order to find someone I love, in order to hold a baby that I only can get to see once a month. To those ancestors, we say Ashe. And to us who are standing here, we say thank you for coming. The ancestors are so pleased. We want the ancestors to know that they can rest tonight because some of us made it. Some of us came back. Some of us will keep coming back. Some of us will work together with our brothers and sisters and rewrite the wrong and make this into the incredible place it was before. Ashe! 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 To be honest with you, I was so happy. You know, it made me, you know, that nostalgia feeling, because you hear these stories and at last all of you came that particular day. We were so pleased, so happy, and I must be frank to you that it's a great day that I will not forget. We hope that as you come, you will not go back. We welcome all of you. Cette reconnexion, elle est importante. Elle est importante parce que ça nous réconcilie avec notre histoire, comme je l'ai dit. Et à partir du moment où ça nous réconcilie avec une histoire, ça permet de bâtir un avenir en sachant quelles sont les forces et les faiblesses de cette nouvelle aventure que nous allons avoir. Les Antillais n'aiment pas, je généralise un peu, faut pas prendre ça au pied de la lettre, n'aiment pas en général les Africains parce qu'ils disent que c'est les Africains qui les ont vendus. Donc s'ils sont aujourd'hui des Antillais, c'est parce qu'ils ont été vendus par leur propre père. Voilà, c'est une espèce de reproche qu'ils ont vis-à-vis des Africains. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas appartenir à ce continent. Ils ont été endoctrinés dans le fait que le méchant qui nous a rendus esclaves, c'est l'Africain. Donc, en même temps, on peut avoir une espèce de compréhension sur le fait qu'ils ont été endoctrinés dans ce sens, et c'est juste de l'ignorance. Donc je pense que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'avoir justement cette histoire qui manque à beaucoup d'Africains, même aux Africains qui sont dans le continent. Enfin, je parle plus du Cameroun. Et voilà, je pense que c'est surtout ça qui leur manque. C'est de l'ignorance, je pense. C'est pas vraiment, c'est pas une haine qui s'est développée comme ça. Voilà, je pense. Ils peuvent y venir, séjourner, ils peuvent venir. Même parfois, ils vont avoir des échecs, c'est normal. Parfois, ils vont avoir des incompréhensions, c'est normal. Nous avons des siècles de... Mais il y a quelque chose qui va nous unir, c'est qu'on a la même vision, on a la même culture, on a la même façon d'approcher les choses. Et tôt ou tard, on va se retrouver et on va s'aimer. They teach us as African Americans in America is that we have no history and that
We just do things for no reason. Mm-hmm. And now I'm able to see the connection and the parallel that, no, we got that from somewhere. That's yeah. that's in our, that's innate to us. Mm-hmm. Some people want to become actively involved in home country development. For instance, there are teachers that want to work with schools, there are engineers that would like to work in different sectors, there are people in mass communication that would also like to build bridges between the U.S., if that's where they come from, and Africa. For instance, Blair Underwood and his family, who are connected to Cameroon, they would like to be involved in the communications industry in Cameroon. Il faudrait donner des visas spéciaux aux Africains-Américains qui veulent venir s'installer en Afrique. Je pense que vraiment la place des Africains-Américains est immense en Afrique. Les milliers d'ingénieurs, les milliers de techniciens, les milliers de connaisseurs dans tous les domaines de l'art, de partout. S'ils peuvent investir dans nos écoles, s'ils peuvent investir dans nos sociétés, s'ils peuvent avoir des relations économiques, de dynamisme culturel. Il y a des têtes, il y a sûrement là-bas des gens extraordinaires. Imaginez simplement que ces gens extraordinaires rencontrent des gens, la terre extraordinaire en Afrique, ils peuvent planter beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de baobabs, beaucoup de plantes extraordinaires peuvent naître dans cette rencontre-là. One of the things that I was able to work on with other diasporans is a proposal for citizenship in Africa for diasporans. This is an idea that comes from Leon Sullivan, who was a Pan-Africanist to heart and dedicated his life's work to the continent. Some of the levels of citizenship that we suggest to African governments is one, a symbolic citizenship, and this would be for people who are interested in connecting with Africa, knowing the culture of Africa, but for whatever reasons would not spend much time in Africa, but would have a recognition that they are part of Africa. That would be symbolic citizenship. Partial citizenship we recommend for people who are interested in making substantial investments in Africa, but not necessarily living in Africa most of the time, for whatever reasons that might be. But the critical point is that they would make substantial investment in Africa. And along with that, we would ask that the restrictions for visas be relaxed a bit. The third level of citizenship, which some diasporans said they say that they would like, is full citizenship. And that would confer upon them all the rights and responsibilities of citizens, and that would also come with a passport. Je pense qu'il est important que, à partir du moment où il y a un groupe qui s'est élargi, à partir du moment où il y a des gens qui sont allés et qui sont en connexion avec d'autres cultures, qui sont dans d'autres univers, que ces gens-là, que nous puissions nous tous nous retrouver pour essayer de réfléchir sur la manière dont on pourrait voir comment est-ce qu'on pourrait développer, développer ce continent. Parce que c'est un continent à découvrir. C'est un continent à réinventer. Chez nous, quand votre frère arrive, qui est parti depuis très longtemps, vous faites la fête. Vous êtes content, vous ouvrez toutes vos portes, vous sortez ce que vous avez de meilleur comme boisson, comme aliment, vous appelez les voisins et vous le fêtez. Et vous êtes content, tout simplement. Et vous lui conseillez
vous lui montrez les terres qui sont les siennes et vous lui dites qu'il a intérêt à s'y installer et à s'y installer définitivement. Et à vous rendre fort pour qu'ensemble, vous puissiez mener les combats du futur. Ben, je pense que l'union fait la force, tout simplement, en fait. En fait, je pense que si la diaspora arrête de moins venir en donnant de leçons en Afrique et que l'Afrique soit, voit moins la diaspora comme des étoiles scintillantes, je pense qu'on avancera énormément. Parce qu'il y a un regard qui est fait, qui freine, en fait, cette union. Parce que le mec de la diaspora qui vit en Afrique, il vient en pensant qu'il sait beaucoup de choses. Voilà, il est intelligent, il a vécu plein de trucs. Alors, l'impression qu'il vienne, il n'a rien à apprendre du continent. C'est l'impression qu'il a parce qu'il a le confort, il a les machins, il a je ne sais pas quoi. Donc, il a l'impression qu'en arrivant en Afrique, il est juste là pour transmettre et que lui ne va pas forcément recevoir grand-chose. Alors que s'il se met dans une position où il se dit qu'il a quelque chose à apporter, mais qu'il a aussi plein de choses à recevoir, eh ben, je pense que déjà les Africains seront, dans le continent, en tout cas, seront beaucoup plus détendus. Et surtout, si aussi, côté Afrique, le même travail est fait, où dès qu'on voit un Français, on dit pas mbenguiste ou je sais pas trop quoi, où on se dit, ah, mon frère, tu es rentré, on va penser le monde ensemble. Je pense que c'est important, voilà. C'est des choses qu'on n'a pas. Chacun est dans son univers bien à lui et... faire ressortir son univers une fois qu'il est dans le continent de l'un ou de l'autre. Voilà. Donc cette union, cette espèce d'harmonie, tant qu'elle n'est pas là, tant qu'il n'y a pas ce regard de « toi tu es l'Africain et toi tu es de la diaspora », je ne pense pas qu'on y arrivera. Mais si on enlève tout ça et que chacun y va de son expérience, chacun y va de ce qu'il sait, etc., et ben, ça va vraiment changer la donne. Voilà. To the motherland, and I'm just so thankful. It was such an experience. I've been preparing for this all of my life. So thankful that I had this opportunity to reconnect with the ancestors, to be a blessing to everybody here, for God to be a blessing to me. I thank so much the organizers of this trip that God used them. Just thankful that we made it back. I have returned to Cameroon on behalf of my greatest grandmother. She must have been a very strong woman because her spirit lives within me, and I in return will share her story. And I praise the Lord for giving me the opportunity to do so. I have great hopes for the future because we are coming back. We are reconnecting. Despite all the efforts to move us apart, despite all the efforts to separate continental Africans from diaspora Africans, it did not happen. We are living proof that the circle cannot be broken, that we are one people. We were one people in the past. We are one people now. We are one people for eternity. Ashe. Thank you.
Jesus is born.